Venelle, petit village au nord d'Aix-en-Provence. 8500 âmes et peut-être autant de véhicules quasi vides qui chaque jour empruntent les routes communales. Pour endiguer ce phénomène, Covoit ici, un système de covoiturage local vient d'être mis en place. Via une application mobile gratuite, passagers et conducteurs sont mis en relation. Bonjour, vous allez au Logisson ? Ouais, exactement. Enchanté. Centre-ville, rond-point de la gare ou encore zone d'activité des Logissons, l'embarquement se fait à l'une des 6 stations relais de Venelle. Blablacar, pour le coup, on se différencie du fait qu'eux, ils s'occupent de la longue distance. Ils ont un service qui marche sur la longue distance. Nous, hein, on se concentre sur la courte distance, pour laquelle c'est beaucoup plus difficile de réussir à faire covoiturer les gens ensemble. Et sur la courte distance, on a pas mal de concurrents, d'autres concurrents en l'occurrence. Et par rapport à eux, on se distingue de deux manières. Un, parce qu'on travaille avec les collectivités, main dans la main. Et deux, parce qu'on installe du matériel, des stations de covoiturage au bord de la route. La véritable innovation, c'est que les trajets sont gratuits pour les passagers. Quelle que soit la distance parcourue, ils ne débourseront rien. En contrepartie de son service, le conducteur est lui rétribué en roues, la monnaie locale de Provence. Un aller-retour équivaut à une roue, soit 1 euro. Bien, ils vont pouvoir les dépenser chez des commerçants. Alors, sur Venelle, il y a par exemple le potager Saint-Hippolyte. Il y a Vivre Mieux, bien sûr. On a aussi bien des commerçants que des professions libérales comme des naturopathes, des ostéopathes. Donc il y a une multitude de façons de dépenser ses roues dans le pays d'Aix et même du nord du Vaucluse à Marseille, des Alpes en Arles, puisque une roue prise à un endroit peut être valable n'importe où. En plus de favoriser la mobilité, ce système de covoiturage permet de faire vivre le commerce de proximité. C'est la mairie qui subventionne le procédé. Pour l'instant, 1000 euros ont été alloués. Une roue équivaut à 1 euro. Aujourd'hui, c'est inscrit dans la charte du pays d'Aix, du développement durable, d'aider, d'accompagner le développement des monnaies locales sur le territoire. À l'échelle du département, Covoit ici a également été mise en place entre Salon de Provence et Sénas. Mais Venelle est la seule commune à carburer en roue.